Cela fait bientôt un an que le prince Philippe s'en est allé. Pour saluer sa mémoire, un service commémoratif est prévu en son honneur à l'abbaye de Westminster au printemps. Mais un événement auquel Harry et Meghan n'assisteront pas, comme l'a confirmé le journaliste du Daily Mail Andrew Pearce sur Twitter. Une absence qui s'explique pour des raisons de sécurité. En effet, depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur départ de la famille royale, la reine Elisabeth II n'est plus chargée de payer leurs frais de sécurité lorsqu'ils viennent à Londres. La petite famille est donc incapable de se déplacer sans sécurité car s'y est-il trop dangereux. Si Harry part, il voudra avoir la sécurité pour lui et sa famille. Si et quand il décide de retourner au Royaume-Uni, il a besoin de sécurité, a affirmé une source royale auprès de Page 6. Un soulagement pour la famille royale, une nouvelle qui aurait soulagé la famille royale, car selon Ingrid Sword, rédactrice en chef de Majesty Magazine, leur présence transformerait l'événement en un show Harry et Meghan. Je pense que s'ils choisissent de ne pas venir, tout le monde poussera un soupir de soulagement. Il s'agit d'une cérémonie de remerciement pour le prince Philippe et nous ne voulons pas qu'elle se transforme en un Harry et Meghan show, a ajouté la journaliste. Plusieurs membres de la famille royale espèrent tout de même que le couple pourra revenir un jour au Royaume-Uni, notamment le prince Charles, qui n'a pas eu encore l'occasion de rencontrer sa petite fille, Lilibet, désormais âgée de 7 mois.